L'Université catholique de Bukavu est située au cœur d'une région montagneuse. On y trouve des paysages qui laissent entrevoir des richesses que regorge la province du Sud-Kivu. Une particularité qui exige la présence des architectes et des urbanistes bien formés pour ressortir la beauté de cette région à couper le souffle. Malheureusement, ces dernières années, le manque d'un nombre suffisant d'experts, de politiques et d'instruments de planification et d'une main-d'œuvre qualifiée dans la région pousse plusieurs habitants à construire vaille que vaille sans aucun respect de normes architecturales et urbanistiques. On enregistre alors des incendies, des érosions, des éboulements en répétition. Une situation qui alerte toutes les couches de la population et qui attriste le nostalgique de Bukavu la Verte. Au regard de ce contexte particulier et des multiples atouts qu'offre la région, l'Université catholique de Bukavu, soucieuse d'un environnement sain et écologique, s'active grâce à son rôle de service à la communauté et décide de mettre en place une faculté qui répond aux besoins réels de la population en corrigeant les dégâts causés par les violations des normes architecturales et urbanistiques. C'est ainsi que la faculté d'architecture et urbanisme voit le jour à la rentrée académique 2017-2018 avec une première année d'études préparatoires. Elle a pour objectif d'intégrer les réalités concrètes du terrain dans le cours et ateliers d'architecture et d'amener la démarche architecturale à rencontrer des enjeux sociétaux fondamentaux en matière de qualité de cadre de vie. Avec un total de 325 étudiants, la faculté d'architecture dispose de 45 enseignants venant de divers horizons et qui dispense 46 cours. La faculté se profile comme une école connectée au monde par des réseaux régionaux et internationaux avec une approche méthodologique qui intègre l'interdisciplinarité, la complexité, les désapprentissages et le réapprentissage sur base du cadre, la synthèse et la créativité intégrée dans le global local. Bienvenue à la faculté d'architecture et urbanisme, une faculté qui vous permet non seulement de vous former dans les meilleures conditions possibles et par un personnel qualifié, tout en apportant des solutions à des problèmes qui touchent toute la population, mais une faculté qui vous permet aussi de contribuer à la splendeur de votre région afin qu'elle rayonne au-delà de lacs et des montagnes.